Non, je voudrais juste fermer ou ouvrir une petite parenthèse pour vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes le meilleur public que j'ai depuis que j'ai commencé ce spectacle. Ah, c'est-à-dire depuis ce soir, tout à l'heure, quoi. Je vous aime. Si. Et c'est là que je m'aperçois à quel point le contact avec le fric est capital. Cet amour que vous me renvoyez me remplit les poches. Et tous, vous resterez à tout jamais inscrits sur mon cœur en banque. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire. J'ai fait un lapsus. Ça me tombe, j'en fais jamais. Oh, c'est un peu des conneries, ces histoires de lapsus. Alors tu dis à moi à la place d'un autre, soi-disant c'est notre inconscient qui rêve d'être. Alors ça c'est psychologie et compagnie. Hein. Ah alors les psy là-bas, je l'ai vu comme la peste. Ah non, mais t'es pas le premier à faire ce genre de réflexion débile, hein. Oh, je vous rassure. Je vois bien, l'autre soir, j'ai fait une fête, là. Il y en avait tout un troupeau de petits machins, là. Ils brûlent des lapes, ils nous buffaient. Ah non, mais il fallait voir le nombre de conneries qui sortaient à la minute, hein. Attends, il aurait fallu les féliciter, hein. Les enregistrer, je veux dire, les enregistrer. Je suis arrivé avec mon pied cassé, bon, je m'étais cassé le pied. Oui ? Pourquoi vous êtes-vous cassé le pied ? Je sais pas. Non, mais selon... c'est pas mieux pour le psy, là ! Inconsciemment, j'avais fait exprès de me péter la gueule de mon escargot. Non, mais j'aurais dit, c'est con, bébé. J'adore ça, péter des trucs. Dès que j'ai 5 minutes, je monte sur mon escabeau parce que je vais me marrer là. Et je commence à me balancer jusqu'à ce que je me ramasse le sexe par terre. C'est pas une bande de cons. Attends, surtout que les psys, c'est ce qui les intéresse. La trique. Ah, ça le fric, il s'est marché. Ah non, mais il vaut mieux entendre ça que je m'assurais. Pardon, la vie, ça va pas, non. La vie, ça va pas, j'ai jamais parlé de ce mutu-coquin, Jean. Mais là, j'ai dit, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Vous avez les orteils, hein. Faut arrêter la psychologie, hein. La psychologie, ça rend sourd, hein. Non, mais quel comique, leur lapsus. Mais c'est juste que j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit, c'est un hasard. Eh ben non. Le hasard n'existe pas. C'est mon inconscient qui parle. Colère cosmique. Tu sais ce qu'il te dit, mon inconscient? Un maman, un chéri. T'imagines, si maintenant, tu dois en permanence faire attention à ce que tu dis, des fois, attends, que ton inconscient, ce con, il laisserait échapper un truc mortel. T'imagines un rencard avec une fille? Ah ben, pense à prévenir ton inconscient bien à l'avance, hein. J'ai pas trop inconscient, tu m'entends? Oui, j'ai pas trop inconscient, coucou Julien. Ça va, il fait beau. Oh, t'appelles pas pour parler de la pluie, du beau temps. Mais, pour te dire que dans 5 minutes, j'ai rendez-vous avec Marie, et je compte bien conclure. Hein? Alors, pas de garde, tu la connais, elle est un peu délicate. Ok, dis donc, je vais me tenir. La blonde, le gros fin, tu l'as pas pu? Non, m'occupe pas de mes affaires! Ah, on l'a sauvé!
Oh, bonjour Marie. Bonjour Marie, entre, entre Marie. Attends, j'ai pas fait la bise. Je me suis écarté. Marie, entre, entre. Marie, si tu savais. Marie, je suis super content qu'on n'y qu'ensemble. On n'y qu'ensemble. Putain, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Au spécu, ça va y taper. Pardon, la paix. Tu pourrais répéter ce que tu viens de dire là? Il manierait mon inconscient? Mais non, pourquoi tu y es? Ah non, mais je vous jure, non, quelle cette bande de tirs, je peux rien dire sans que tout soit interprété. Moi, je vois, je voulais leur parler d'un comique que j'adore. Hein. Bon, impossible de retrouver son nom. Alors, remarquez, ça m'arrive souvent, ça vous le fait, hein. On l'a sur le bout de la queue et de la langue, et ça sort pas. Comment il a pris la tête? Oui? Pourquoi oubliez-vous le nom de ce comique? Oui, savez-vous que l'oubli d'un nom propre signifie une jalousie de vous? Que la cosmique, c'est vous. Je ne suis absolument pas jaloux. La page, ce comique, je l'adore. Ah, comment il s'appelle? Mais tu sais, on a dans le film de avec la blonde, là. Mais il joue toujours le fils de... Je vois son nom, il finit en U. Attends, un nom en U, un nom en U, un nom... Je reviens là. Ah non, ça finit pas en U, non. Ben, ça prouve bien que c'est vous, le raisonnement, puisque je l'adore. Maniéré. Peut-être des fois, tu dis des trucs. Ben non, parce que ça voudrait dire que si mon inconscient est homo, moi, ça, c'est comme ce qu'ils appellent l'inévrose. L'inévrose, les trucs obsessionnels. Moi, j'en ai pas. D'accord. Xavier. Oh, là, ce qui se passe mal. Attends. Il veut toujours coucher avec son père, manger sa mère, voir sa sœur. Oui, vous avez dit Xavier, mais il faut la fermer, ta gueule. J'ai dit arrêtez. Oh. Ah, excusez-moi, les gars, on m'appelle. Salut, ton vous avez vu, j'ai pas trop conscience, j'ai pas trop, je suis là, je porte la chaîne sur scène. Oui, si j'ai pas trop conscience, coucou. Il fait beau. Je sens que le temps, hein. Écoute, voilà, j'ai un truc à te dire, mais je sais pas trop si ça va te plaire. Je t'écoute. Voilà, en fait, si tu veux... Moi, j'aime plutôt les garçons, si tu vois ce que je dis. Mais non, puis si moi, je suis homo, toi... Manier. T'es chaud, hein? Hé, non!